Salut à tous les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur la chaîne Motors. Après Peugeot qui nous a dévoilé en début de semaine sa nouvelle 408, c'est au tour de Citroën de nous dévoiler sa nouvelle compacte qui, on va se le dire, a quand même clairement les lignes d'un SUV coupé. Alors si vous êtes curieux d'en savoir plus sur ce nouveau modèle, ne bougez pas, je vous explique tout dans cette vidéo. Bon, si vous êtes un minimum connecté au réseau, vous savez qu'en début de semaine, Peugeot a dévoilé la nouvelle 408. Alors, je sais pas ce qui se passe chez eux, ils ont vraiment du mal à assumer le côté SUV coupé. Mais bon, on va dire que c'est une berline plutôt, voilà, surélevée. Et bien aujourd'hui, c'est Citroën qui entre dans la danse et qui nous présente les nouveaux C4X et iC4X. Alors, l'ambition est affichée par Citroën, il s'agit de proposer une alternative séduisante au tout SUV qui envahissent le marché. Et si par la même occasion on peut embêter le cousin français Renault Arkana, eh bien on va pas se gêner. Bon, vous le remarquez, le C4X est dans la lignée stylistique du C5X. On a un design innovant qui se situe à mi-chemin entre le SUV et la compacte. La C4X est un véhicule 4 portes. Quant à la ligne plongeante vers l'arrière, on appelle ça un fastback. Et d'ailleurs, ça ne gêne pas trop Citroën d'utiliser ce terme anglo-saxon. Concernant le look, Pierre Leclerc, directeur du style Citroën, précise, le iC4X et le C4X sortent du lot. Elles conservent la rondeur et le langage des formes signant les silhouettes Citroën à l'avant, mais en faisant le tour de la voiture, on constate que leur silhouette est très différente, beaucoup plus dynamique et séduisante. Alors séduisant, oui, ça y peut l'être, mais on ne m'enlèvera pas de l'idée qu'il s'agit pour moi d'un SUV coupé. Bon, intéressons-nous maintenant de plus près à cette Citroën C4X. Il faut savoir dans un premier temps qu'elle repose sur la même plateforme ECMP que la C4. Côté dimension, la C4X affiche une longueur de 4,60 m, ce qui la situe entre la C4 et la C5X, avec un empattement identique à la C4 de 2,67 m. À l'avant, le C4X vous dit peut-être quelque chose, c'est normal puisque c'est le même avant que la C4. On y retrouve notamment le double chevron chromé qui court tout le long de la calandre et qui se termine au-dessus des optiques à double étage. Et lorsqu'on regarde un petit peu plus bas, on retrouve un bas de caisse en plastique noir qui court tout le long de la carrosserie et qui se termine sur le bouclier arrière. Le côté baroudeur est bien présent. D'ailleurs, on retrouve également les air bumps que l'on pourra personnaliser en fonction de la couleur que l'on souhaite. En ce qui concerne le profil, on retrouve cet aspect fastback avec une ligne de toit qui plonge vers l'arrière, arrière d'ailleurs plutôt dynamique et moderne je trouve, et qui laisse entrevoir un coffre assez généreux de 510 litres. On passe à l'intérieur et le maître mot, c'est bien évidemment le confort. Rien d'étonnant lorsqu'il s'agit de Citroën. Le constructeur équipe son nouveau modèle des sièges Advanced Confort avec une mousse renforcée de 15 mm. En plus de ça, on retrouve de série les suspensions à butée hydraulique progressive à l'avant et à l'arrière. La C4X reprend le système d'infodivertissement de la C5X, le My Citroën Drive Plus, avec un écran d'infodivertissement de 10 pouces de série qu'on retrouvera dès l'entrée de gamme. La nouvelle Citroën C4X bénéficie d'une flopée d'aides à la conduite, avec notamment un régulateur limitateur adaptatif, l'aide au maintien dans la voie, la caméra 360 pour les manœuvres et une conduite semi-autonome de niveau 2. Les passagers arrière sont également choyés dans cette C4X. Avec une banquette arrière inclinée de 27 degrés par rapport à la C4, ce qui accentue le confort, mais offre surtout un espace à la tête plus important. D'ailleurs, Citroën annonce une garde au toit de 86 cm. En option, vous allez pouvoir bénéficier d'un toit panoramique. Et puis, ce qui n'est pas en option, bien évidemment, c'est la double buse à l'arrière et les prises USB. Cette Citroën C4X sera produite dans l'usine Stellantis en Espagne. Et elle sera déclinée sur le marché français en plusieurs motorisations essence. PureTech 100 chevaux en boîte manuelle 6 rapports. PureTech 130 chevaux en boîte automatique EAT8, en motorisation diesel Blue HDI de 130 chevaux, et enfin la déclinaison 100% électrique baptisée iC4X de 136 chevaux avec une batterie de 50 kWh et une autonomie annoncée à 350 km. Côté tarif, pour l'instant, Citroën ne s'est pas exprimé, mais l'ouverture des commandes est prévue pour l'automne 2022 avec des premières livraisons en janvier 2023. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce nouveau Citroën C4X. La vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la rétribuer par un like, un commentaire ou tout simplement un partage. Je vous invite à prendre soin de vous et de vos familles et on se dit à très bientôt sur la chaîne Motors pour une prochaine vidéo. Ciao !